Balai de ta tête. Nous sommes en direct. Merde, on est en direct. On est en direct. C'est officiel. Nous sommes en direct. On attend que des gens arrivent. On va voir les... Des petits gens. On va voir un, deux, trois. Mais déjà, pour l'instant, ils veulent pas venir. Nous avons donné un rendez-vous précis. Et ça tombe personne. Ah, il y a une personne. 21h31, c'est qui? 21h31. Deux, merde. Deux personnes. Les gens nous regardent. Éteins. Les gens, non. Attention, si tu touches au portable, il peut très bien tomber. Oui, bah oui. C'est marqué. Ce sera pas la première Steven fois. DH regarde. Ah, c'est bien. Invitez cette personne à l'écran. Non, nous n'avons pas 6 personnes. À 1000, on arrête. À 1000, on parle. Salut. Salut, mec. Voilà. Pour l'instant, j'ai rien à dire. Donc, ça sert à C'était le mois de février. Et ça, c'était Khalid qui était avec nous sous la tente. Oui, bah j'avais la tente numéro 67. Voilà, bravo mec. Et attends, j'ai pas encore fait la roue, me dis pas bravo. À la fin, de la vidéo. À la fin de la vidéo, je ferai la roue. Ok. Si vous restez filmé, il y a des preuves. Il y a pas de souci. Si vous restez jusqu'au bout, je vous promets de faire une roue. Ok, tant que j'ai pas encore été chez l'ostéo, c'est le moment. Voilà. Je vous promets d'essayer de filmer sans rigoler. Ouais. C'est pas gagné. Voilà, 11 personnes. Salut Isa. Voilà. Alors c'était quoi le plus dur? J'avais envie de dire un truc, mais non. Bah... Attendez, on attend un petit peu. On attend 2-3 minutes. Voir s'il y a des gens qui arrivent encore. La triplex team. La triplex team, mec. Merci. Merci de me dire bravo. Salut Isa. Merci Prisca. Amant, avec un T. La lettre muette. Tu sais bien lire. Je sais bien lire, attention. T'as appris dans le désert, non? Bravo, mec. Merci, Daniel. Le caca dans le sac. Ah, merde. Oui, le caca dans le sac. Ouais. On va en parler. J'ai quelques petits objets. On a ramené. J'ai ramené les sacs à caca. Voilà. Personne ne sait ce que c'est les sacs à caca. On va vous apprendre une nouvelle manière de vivre. Laurence, hello les champions. Avant tout, merci à Miss Kiwi pour avoir partagé ses nouvelles par mail. Bah oui, et oui. Bah c'est normal. C'est quand même normal. Elle a joué un rôle très important et c'est vraiment quelque chose de beau qu'elle a réalisé. Ah oui. RP mail. Non, j'ai pas pris de coup de soleil. T'as taillé ta barbe, ça se voit, non? Non, j'ai pas taillé ma barbe. J'ai pas taillé ma barbe. Bah non, bah ça se voit que non. Bah alors touche-moi la barbe. Bah non. Touche-moi la barbe, s'il te plaît, là. Ah. Merci. Merci, Yo-Yo. Ouais, c'est comme ça qu'on m'appelle. C'est les chameaux, faut l'excuser. Ah mon dieu. Il n'est pas revenu. Oui, j'ai reçu ton mail, Lisa. Ça m'a fait plaisir. J'étais tout émoustillé en le lisant. Il me regarde pas comme ça. Oui, j'étais émoustillé des yeux. Non, mais les chameaux, c'est pas grave. Oui, voilà. Enfin, c'est pas grave. J'en suis là quand même. C'est pas grave. Merci, mec. Merci, Thomas de Monceau. Voilà. À 30 personnes, je commence mon exposé. Mais par contre, ça descend. Oui, mais attends, mais lis. Ah! Ah! Oh, c'est gentil, ça. Bonsoir à vous deux. Bravo. Ah, merci, Thibaut. Salut Jean-Jeanne. Ah bah voilà, j'allais aller sur Facebook, bravo. Bravo, alors bravo. Ça c'est bien ça. Ça c'est bien. 34, hein. Là, c'est peut-être parce qu'il pleut. Il pleut pas. Là, c'est parce qu'il pleut, peut-être qu'elle est chez elle, il pleut. Ah, voilà. Ça fait du bien de vous voir tous les deux. Bah, ouais, oui. Vaut bah, mieux nous voir en image. Hein, ouais, vaut mieux nous voir en image qu'en vrai. Parce qu'en vrai, il y a les odeurs. Ok. On peut pas toujours prendre des douches, il n'y a pas toujours des douches à disposition. Bah oui. C'est bon, tu peux commencer. Ok. Allez, c'est parti. Alors Non. Alors, putain, ça va partir en couille. Merde. Bon, alors bonjour, je m'appelle Yo-Yo la frite. Je vous souhaite une bonne soirée, moi. Reviens, Léon. Ok, j'en peux. T'aimes bien quand ça. Oui, c'est vrai. Non, alors voilà, marathon des sables, tout ça, ça a été fait. Et j'ai des petites choses à dire. Déjà, toi ? Oui, j'ai des choses à dire. J'avais une réclamation. C'est qu'il s'est passé dans la tente 67. T'inquiète pas, trop mec. Tard. Ça restera dans la tente 67. Alors, je veux vous parler de la marque Wa. Déjà. Vous voyez ce sac ? Ce sac ? C'est de la merde. Qui est partenaire du Marathon des Sables. J'avais un petit coup de gueule à pousser. Regarde sans le sac. Il schlingue encore. Il est passé dans la machine. Oh putain, merde. Mais avant de passer dans la machine, il était neuf le sac, ok? Et ce sac, c'est de la merde, mec. Pourquoi? Vaut mieux vous avoir en photo catap. Putain, il nous a vu hier, je crois. Il nous a vu hier. Merde. Donc, je disais que ce sac, c'est de la merde. Les sangles pètent dans tous les sens.
dans tous les sens. Et dans la tente, on était 6, il y en a 3, voire 4 qui ont été emmerdés avec ce sac. C'est pas normal, c'est la marque officielle. Pendant une étape, il y a un mec qui était premier français. Sa sangle a pété, il s'est retrouvé 15e. Et ça, ça m'a fait mal. Parce que je suis pas le seul, on est des millions en France à avoir subi ce sort. Non, bref. Parce qu'il y a des gens qui vont faire leurs courses avec ce sac. Franchement, ce sac, il faut réfléchir deux fois avant de l'acheter parce qu'il coûte quand même très cher. Et j'aurais su, franchement, j'aurais carrément pris un sac Red Light parce que j'ai vu personne qui était emmerdé avec. Et le sac fait gilet, il épouse bien le buste. Je savais que le mot buste allait te faire quelque chose. Hein, c'est pas le mot buste, non. Buste, c'est tout épouse, le reste. Épouse un buste. Non, c'est le crachat dans l'œil. Ah, oh, je voulais pas. Donc voilà, avant d'acheter un sac WA, réfléchissez-y à deux fois. Fallait que j'avais ça sur le cœur, ok. Depuis que je suis rentré en France, j'ai ça sur la conscience. Quand je fais ça, ça a de l'impact. Okay. Surtout dans la main gauche. Surtout dans la main gauche. Pardon. Ah, donc, qu'est-ce que je voulais dire? Je vais aussi vous présenter. Ouais, ça c'est quoi? Je peux le mettre un peu plus loin, je suis pas sûr. Mais il y a rien dedans. Bah, je sais pas. Non, mais j'ai vérifié. Et c'est dès l'autre. Alors, à chaque fois qu'on terminait notre course, on le distribuait. Ta gueule, Julien Rabier! Non! J'ai pas pêché de chamelle, mec. Mais j'ai pêché des petites chamettes. Par contre, ça soigne, hein. C'est des bébés chameaux. J'ai loupé pour le sac pas terrible, pas terrible. Du coup, je reviens sur mon sac. À chaque fois qu'on terminait une étape, il y avait une dame. Une dame caca qui nous donnait des sacs à caca. Parce qu'en fait, on faisait caca dans des sacs dans le désert. Des sacs à caca. Des sacs. Des sacs à caca. Alors les enfants, il ne faut pas reproduire. Je suis parti en couille, je m'excuse. C'est bien. Ok. Faut continuer. Voilà, alors attends, on lit. Salut Anne, bravo pour te... Merci beaucoup, Hugues. Ouais, un chameau, ça passe. Et mon gars, calme-toi avec les chameaux, ok. Sois pas jaloux. Non, mais les chameaux, ça va, ça ne dérange pas. Mais pas de chamelle. Ouais, chacun ses limites, écoute, voilà, c'est comme ça. Miam, ça vend du rêve. Ok. Je voulais avertir tout le monde que je me suis pas servi de mon aspi venin. De l'aspiration du venin. Non, moi je suis là, moi. Il parle de caca, Julien, et, toi, parle de caca que... et toi tu penses à pécho. Oui, c'est triste. Du coup, voilà la pompe aspi venin qui coûte 20 euros. Non utilisée, je la revends 15 euros. Voilà. Prix à débattre. Très bon état. Je vends mon aspi venin. Je propose qu'on fasse un test en direct. Non, mais sérieusement, non, mords-moi. Lance-moi ton venin, ouais, okay. Je vais m'aspirer. Non, mais mords-moi vraiment, elle sent. Bah écoute, je suis au taquet là. Va chercher un couteau. Oh merde. Bah vas-y, on fait comme si. Mais non, j'ai peur en fait. Ouais, genre. Non, je vais pas, on le garde. 15 euros, prix à débattre. Je voulais vous montrer aussi. Alors attends, vas-y. T'as perdu combien de kilos sur le marathon des sables? J'ai perdu exactement 97 kilos. Non, j'ai perdu 5 kilos. C'est poils. L'épilation avant de partir. J'ai perdu 5 kilos. J'ai perdu 5 kilos. J'ai perdu 5 kilos. Il a débattu. 1,50€. 1,50€. On prend. On prend. Attends, il y a mieux là. 1,60€. Ok. Bon, on en parlera en privé. Je vais mettre cet objet en vente. Il y a ma copine. Salut Sandra. Salut. Salut petite chamelle. Je vais réellement mettre cet objet en vente. Avec un slip. Et je vais faire un pack en fait. Merde. Je vais faire un pack aspi venin. Avec le slip qui va avec. Voilà. Et un sac. Qui a servi pendant le marathon des sables. Ouais. Oh, il est toujours pas lavé. Avec un aspi caca. Aspi caca. Aspi venin. Aspi venin avec un sac à caca. Ah. Ok. T'as beaucoup fait caca alors. Bah ouais, mais il avait l'aspi caca du coup. Ça j'avais l'aspi caca. Et en fait, je mangeais pas beaucoup. Je mangeais qu'un repas par jour parce que le matin, à force de manger ma compote lyophilisée, quand je mettais dans la bouche, j'y arrivais plus. Coco, il y arrivait plus. Il a cru qu'il allait crever là-haut. Mais regarde pas comme ça, je te vois dans le téléphone. Oh merde. Voilà. La boussole. Bah, je m'en suis pas servi. Et voilà, ça sert à rien. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire à ce sujet. Je revois une boussole. Je veux répondre à Pauline. Oui? Voilà, 5 kilos.
moyen avant l'été. Mais tu peux le faire dans l'autre sens après. Oui, tu arrives, peux. Tu refais 250 bornes. Voilà. Tu passes à 10. 10, ça devient pas mal. Est-ce que tu comptes y retourner l'année prochaine? Non, je compte pas y retourner déjà parce que c'est très cher. Et puis je pense que c'est une aventure. Attends, laisse-moi parler, s'il te plaît. C'est une aventure qu'on découvre une fois. Et en fait, je n'y retournerai pas parce que ça casserait l'aspect découverte de cette aventure. Change unique. De voix parce que c'est moi qui vais faire ma Attends, réponds, il y a une question. Tu sais là. Le servir d'une boussole, on m'a appris. Vas-y. Donc je n'y retournerai pas. Tu as peut-être déjà donné l'info, mais c'est combien de budget et combien de temps de prépa? 18 000 euros. Non, alors l'inscription. Vas-y, bye. Alors, l'inscription. L'inscription coûte 3300 euros. Et après, l'équipement qu'il y a à côté, vraiment, c'est un coût vraiment dingue, quoi. Parce qu'il faut compter, si t'as pas de passeport, que déjà, t'en as pour 80 balles de passeport. La bouffe. Si t'as pas tes papiers, on peut rien pour toi. Eh, calme-toi. Ah, ouais. La bouffe, il y en a à peu près pour 200 euros. Après, il y a tout le. C'est un sacré budget. Arrête de lui serrer les bubules pendant qu'il cause. Bah oui, non, arrête. Mais c'est ça le pire. Oui, arrête. C'est que c'est naturel. Arrête, ça me fait mal. Et là, c'est inquiétant. Ça me fait mal. Ta gueule. Voilà. Donc, le sac, quoi, c'est 10 000 euros à peu près, oui. La jette. Et c'est ce qui m'a permis de me nettoyer les jambes. Attends, je montre quelque chose. Parce qu'ici, oh merde. J'ai pas fini pour ça. Wouh! Attends, remonte tes jambes. Parce que dans le budget. Dans le budget, épilation jambes. L'épilation jambes pour la voilà. Crème. Voilà. Alors, je m'étais épilé les jambes pour pouvoir me nettoyer convenablement parce j'ai que. Les vidéos. C'est vrai, t'as les vidéos, mec. Eh, lourd! Et si. Voilà. Du coup, je me suis épilé les jambes pour bien me frotter les jambes qui étaient toutes dégueulasses. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai pris cette intonation. Euro de l'Europe, tout Euro ça. Euro de l'Europe, tout ça, oui. 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 Je ne développerai jamais, c'est oui ou non. Genre, t'es un mec propre. Bah ouais, mec. Et je t'invite mais à venir voir. Des jambes. Voilà, à partir du genou, il est propre. Est-ce qu'il vous est arrivé de perdre confiance en vous lors de cette course magique et vous asseoir sur un rocher pour méditer sur votre cas? Oui, j'ai parfois perdu confiance en moi et je me suis demandé ce que je foutais là au milieu du désert. Faut que j'arrête avec cette voix. Oui, vraiment. Je me demandais ce que je faisais là, des fois. Non, ça ne va pas. Okay. C'est la voix floutée dans le reportage. Oh merde, oui, c'est vrai. On aurait dû faire cette vidéo en cagoule. Ça aurait pu être sympa. Bah, t'as ton sac à caca, c'est. Ouais, non, mais c'est bon. Okay. Alors, félicite. Merci, Gaëtan. C'est très gentil. Combien de temps de repos? Je me suis reposé déjà une semaine et j'ai mangé n'importe quoi. Et là, je vais me reposer encore une semaine. Mais continue à manger n'importe quoi. Et après, je vais recourir parce que c'est. Je me sens pas bien. Je vais recourir la semaine, pas cette. Ok, bientôt. Vous pouvez voir les vidéos. Alors, si c'est pour les alors, vidéos de l'épilation. Les vidéos de l'épilation, ouais, on en reparle. Il y a beaucoup de rochers, il y en a 44. Alors, il y a à peu près 44 rochers, après ça dépend des étapes, hein. Ça varie, ça monte à 52. Et ça dépend qu'il y a des rochers de type 1, des rochers catégorie 2. Et c'est vraiment des rochers de. La sensation de se faire arnaquer est plus intense. Attends, c'est quoi cette question? L'expérience de sensation de se faire arnaquer est plus intense de la sensation finisher marathon du sable. Non, mais je suis heureux de cette expérience. Oui, j'ai mis la main au porte-monnaie. Oui. Attends, il se passe un drame. Il se passe un drame. Qu'est-ce qui se passe? Bah. Le portable, il tient pas. Voilà. Pardon. Non, j'ai pas l'impression de me faire arnaquer. C'est cher. Ça a un coût. Oui. Mais non, je suis très heureux de mon aventure et. Et je ne regrette pas, monsieur, non? Ok, on passe à la question caca. Oui. Est-ce que tu avais le droit de faire qu'un caca par jour? Non, alors le truc importante. Qui est plutôt pas mal, c'est que j'ai un anus qui permet de faire plusieurs caca par jour. Alors. C'est un anus polyvalent, quoi. J'ai un anus polyvalent. Oh merde, c'est bizarre. J'ai un anus qui me permet de faire plusieurs caca. Du coup, en même temps. En même temps. J'en peux plus. On va arrêter le palme. Moi, j'arrive trop tard. Non, t'arrives pas trop tard, Régis. Ok. C'est que le début. C'est quoi ton objectif? Ton objectif course de quoi? Le prochain. Le prochain. Non, mais c'est pas. Nanou, c'est pas assez précis. Ok. Il y en a plein. Il y en a plein. Et le prochain gros truc, c'est un 100 km en Savoie. Ça s'appelle la ronde des éléphants. Avec Bibi à vélo. Avec Bibi à vélo. Est-ce que quand tu étais déshydraté, tu as fait le basculac pour t'exprimer? Non, j'ai pas réussi, j'avais pas les ressources nécessaires pour pouvoir faire de la ventriloquie.
C'est pas mal. Ouais, c'était beau. Ouais, merci. Avec le recul, est-ce que tu changerais quelque chose à ta prépa? À ta prépa. Non, franchement, non, je suis très content de ma prépa. On s'en fout de ton doigt, t'as des très beaux plis. Oui, toi, non, mais... Arrête de me critiquer, de me juger devant tout le monde. Je te fais progresser. Non, je ne changerais rien. Pour rien au monde, je ne changerais ma prépa. 3 300 euros, ça va trop vite. Ah! Attends, calmez-vous. Attends, je gère. C'est que le dossard ou l'aller-retour en avion et tous les bivouacs? 3 300, c'est tout. C'est le dossard avec l'avion et l'hôtel et tout. Et les tapis du bivouac. Et les sacs à caca. Mais le caca, tu le payes tout seul. Le caca, tu le fais toi-même. Voilà. Tu le construis. Tu fais maison. Ouais. Putain, ravi, t'as associé avec le caca. Et c'est pas que ce soir. Oui, oui. Non, mais je voudrais qu'on en parle. On en fera un autre live pour en parler. C'est sa vie. En même temps, le désert, c'est une litière géante. J'avoue, il est pas faux. Heureux d'avoir partagé quelques kilomètres avec toi. Moi aussi. Moi aussi, ça m'a fait plaisir. Tu croisais des bêtes dangereuses. C'était lui la bête dangereuse. C'était moi la bête dangereuse. J'étais un peu la bête du Gévaudan dans le désert. Les serpents avaient un aspi venin, mais pour lui. Voilà. Au cas où. Voilà. Ah bah ils se disent bonjour entre eux. Bah on va vous laisser. Les mecs, vous vous dites pas bonjour entre vous, ok? Je vous interdis de vous dire bonjour entre vous. Putain, il y a une contre-soirée. C'est n'importe quoi. Le caca, c'est n'importe quoi. Ah, il a pas fini. Quoi. Julien, je t'attends à la 6000D. Aux toilettes de la 6000D du coup. Oh merde! Le caca, c'est important. Le caca, c'est important. Le truc est bloqué sur le caca, il est important. Oui, il s'est fait censurer quoi. Voilà, alors je vais quand même vous montrer le couteau que j'avais. Ça, franchement, j'ai pas eu besoin de plus grand. Voilà, c'était mon couteau. Ça servait à couper les culs de bouteille pour manger dedans. Et je faisais chauffer l'eau dans ce petit récipient. Voilà. Alors mon sac était super lourd. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Le premier jour, comme j'en ai chié quand même, j'ai retiré tous mes gels. Ouais, j'ai décidé de courir sans gel. Voilà. Je les garde pour le petit déj. Ouais, maintenant je les garde pour le petit déj. Des fois, je me lève le matin, je me fous un petit gel. Mais je sais que tu prends ta bédard. Tu réponds à la question là? C'est laquelle? Tu prévois UTMB ou pas dans quelques temps? Non, je ne prévois pas l'UTMB, monsieur. Désolé d'utiliser le ton, mais je voulais être ferme. Si tu veux mon dossier. Non, j'ai déjà mon dossard pour la 6000D. Pas de 6000D cette année. Bah viens, mec! Bah si, tu l'as. Ton dossard. Oui, je l'ai. Bah oui. Non, mais lui, il dit pas 6000D cette année. Par contre, si t'as un dossard pour le 27 km, moi je le veux bien. Voilà. Voilà. Pas de 6000D cette année. Ah oui, d'accord. Normal, tu prenais mon couteau. Bah voilà, tu fais pas en le fier là. Bon, et dans le pack. Tu foutais tous les matins. Dans le pack avec l'aspi venin, je mettrai deux gels. Deux gels. On s'en fout. Je mettrai deux gels. Je vais faire un vrai pack. Non mais tu t'es cru pour Michael non, Jackson je vais... en fait. Mais non, je vais faire un pack que collector. Tu les as touchés, ça vaut plus cher toi. Ouais, je les ai donc touchés. Donc pas Énergie Gel quoi. Des packs, attention, est-ce que tous les concurrents avaient à peu près le même sac niveau poids ou il y avait des sacs avec beaucoup moins de poids? De toute façon, niveau provision, c'était minimum 2000 calories par jour, monsieur. Alors dès qu'on part sur ce terrain-là, ça peut vite être glissant. Nanou, achète tes gels et aspi venin, mais sans ton slip. Tu es quelqu'un de raisonnable. Tu es quelqu'un de raisonnable, mais tu sais pas. Tu sais pas ce que tu perds au niveau du. Oui, mais du moi slip. Je le sais. Non, c'est tu bien. Sais pas ce qu'il y a dedans. Question suivante. Oh merde, y en a pas. Posez des questions, s'il vous plaît. Et l'autre con veut aller au Portugal en vélo. Mais reste chez toi, mec. Arrête. Continue de rouler à La Rochelle sous la flotte. Arrête de jouer au con. Et tu laisses le Portugal tranquille et t'as rien fait. J'ai quelque chose à dire. J'avais pas beaucoup d'ampoules, certes. Mais au lieu d'aller à l'infirmerie de faire la queue pendant 2 heures, j'avais une petite seringue. Avec une aiguille, c'est plus pratique. Pour percer l'ampoule. Et me désinfecter avec des petits tubes d'éosine. Comme ça, voilà. Je n'avais pas besoin de faire la queue. Je faisais plutôt la queue pour envoyer des mails et donner des nouvelles à tous les amis. À ma petite Chloé. À mon petit Kiwi. Alors, après, salut toi. Mais non. Ah, pardon. Oui, non, lui, je veux juste te dire que lui, il a dit que t'allais crever quand même. Bah écoute, il avait pas complètement tort. Parce que j'ai cru que j'allais crever moi aussi. Là, je rigole bien, mais quand vous verrez les vidéos, ce sera pas du tout la même gueule. Hop, question. L'état de tes pieds.
L'état de tes pieds. L'état de mes pieds. Mes pieds étaient dans un état à peu près convenable. Alors les deux premiers jours, j'ai pas du tout eu d'ampoule. Le troisième jour, j'ai eu une ampoule, 0,5. Et à la longue étape, j'avais les pieds éclatés, des douleurs abominables. Et non, sinon, j'ai pas à me plaindre au niveau des pieds quand je voyais les autres concurrents qui avaient la peau qui se décollait. C'est con. Ouais, c'est con ce qui t'arrive, mec. T'as besoin de tes pieds pour faire le marathon des sables. Si la peau se décolle, tu vas avoir l'air d'un con. Alors, ça parle Nutella. Ouais, mais ça, non, c'est enfin, sujet tabou. Voilà, ça parle radis. Non, ça, faut pas. Je suis pas trop légumes. Salut Rénal. Salut Rénal. Pas trop de bobos. Et en fait, j'ai mal partout. Demain matin, je vais appeler l'ostéopathe. J'ai mal dans les hanches, j'ai mal au dos, j'ai mal aux épaules. Et depuis, j'arrive plus. Ouais, mais du coup, ce qui est bien, c'est que maintenant, je cours plus vite. Voilà, ça va durer 3 jours, mais non, mais je tenais à le dire. C'est... Voilà. C'est oui, hier, j'ai joué un peu au foot avec ma fille et c'était compliqué de courir après le ballon. Voilà, du coup, demain, je vais faire du vélo. Et moi, je vais courir. Voilà. On échange. Merci, Loïc. Ricard, j'adore ton... T'en es où du film ? Que tu dois nous faire. Alors, j'ai tout effacé parce que ça me prenait toute place, mec. Et par contre, j'ai gardé le disque dur avec tous les films. Voilà, vous n'êtes pas prêts de le voir, le film. Je vous le dis tout de suite. Non, je pense dans une petite semaine. Une petite semaine, je vous enverrai ça, les mecs. Mais non, écoute, c'est un vrai problème dans ma vie, merci de pas me faire remarquer. D'accord, mais calme-toi maintenant. Mais je suis très calme, salut Pauline Fraval. La fravalité. On fait quand Burger King? Bah, par les sentiments là. On peut y aller quand tu veux, du moment que c'est toi qui m'invites, mec. Bah, à la fin du live. Si tu veux, à la fin du live. Voilà. Tu m'envoies un petit message et tu me dis coco, j'ai envie de te faire plaisir. Et tu vois, j'ai mangé. Et du coup, même si tu veux me payer un petit coup à boire, coco, voilà, puis on en parle. Je te montre mes ampoules, tu me montres les tiennes. Non, c'est bizarre. Pascal, merci Pascal. Tu es énorme. Bah non, il a perdu 5 kilos. J'ai perdu 5 kilos, je suis pas énorme. Faut suivre, hein. Oui. T'aurais aimé ton Happy Meal comme à La Rochelle. Oh, il y avait du monde à la queue, c'est pour ça que t'as pas fait. J'ai aimé mon Happy Meal comme à La Rochelle, mais il faut savoir que j'ai quand même eu le luxe de rencontrer un Italien qui avait plein d'M&M's dans son sac. Il m'en a filé deux petits M&M's et j'étais le plus heureux du monde. Ça tient un peu de choses. Hein. Ça tient un peu de choses. Des gens. Faut courir après ta vie. Oui. Je crois que tu. Tu as eu un bon coach pour le MDS. Si tu parles de Régis, il est hors de question. Régis m'a donné quelques conseils. Je les ai suivis à la lettre. J'ai été me chercher dans le désert. Et je suis. J'ai été me chercher dans le désert. Du coup, je suis revenu avec moi-même. Voilà. Ça aurait pu être clair, je vous assure. Ah. Coucou, Pauline Fraval. Je pars sauver des radis de Parisiens. Ah oui, bah, le mec est pompier. T'as une vidéo ouf, toi. Ouais, t'as une vidéo ouf. Il sauve des radis. Ouais, parisien. Parisien, par pas n'importe quel radis, quand même. Tu fais quand le marathon des sables? Bibi. Bah, toi. Ah, c'est moi. Non, c'est pas Bibi, c'est Chloé. Oui, oui. Bah, non, okay. En fait. Non, j'ai d'autres objectifs. Moi, je vais dans le froid, moi. Ce sera la Saint-Aignan, ce sera mon marathon des sables et ce sera déjà bien. Il a plus d'ampoule, il a des pieds de soldat. Il est en train de nous dire que c'est un Playmobil, le con. C'est ça. Le sommeil dans le désert, quand il y a du vent, ça doit faire tout bizarre. Mais en fait, c'est... Tu dors pas. Ouais, c'est que tu dors pas, comme un con. On a quasiment fait deux nuits blanches. Et quand il y a une tempête de sable, mon gars, tu fais une autre gueule. Oui. Tu changes de gueule. Oui. Voilà. Et tu tiens la tente pour pas qu'elle s'envole. Du coup, tu dors vachement moins bien. Ouais, tu dors moins bien quand tu dors pas. Et quand tu dors sur des cailloux. 44. Aïe. Mal. Pas mal. Le Happy Meal de La Rochelle, tu m'as fait rire. Moi aussi, je me suis fait rire. Moi, non. Elle rigolait pas. Non, moi, j'étais dans le dur et le con est parti chercher un Happy Meal. Là. Voilà. La musique, c'est Yo. On a décidé de mettre un petit album peace, comme ça, on le laisse couler, et puis voilà. Ça fond même pas dans le désert, les... Bah écoute, les je sais pas comment le mec a fait pour garder ses M&M's intacts. Prochain objectif. Alors, mon prochain objectif est de faire le poirier. Non, c'était la roue, on a dit. Et c'était la roue. Attends, et ça, c'est à la fin de la vidéo. C'est à la fin de la vidéo. Attends, on va répondre. C'est à qui, normalement? Alors, oui. La roue est à qui? À qui? 6000 dés. 6000 dés. Et la ronde des éléphants. Et la ronde des éléphants en novembre. Et après la Saint-Aignan, mais ça c'est moi ça.
Toi, bonne ça va soirée, être ton Gomera. étape longue, quoi. Eh, bonne soirée, Khalid. Alors, j'ai regardé le Roi Lion. Faut savoir que deux ou deux A, c'est le mec qui était avec moi dans la tente, on était 6. Il a la particularité de chanter la musique du Roi Lion. Il connaît toutes les... Mais je pense que c'est la vraie voix off. Hein. Je pense que c'est la vraie voix et c'est aussi la doublure de la voix d'Eddie Murphy. À refaire, tu crois? Bah après, il y en a qui le font 30 fois. Mais moi, je le ferai qu'une fois parce que ça, après, comme je connais déjà la course, ça casse l'aspect découverte et c'était ça que j'étais venu rechercher, une aventure unique dans le but de grandir dans son âme. Ok. Mais aussi parce que à ce prix-là, il y a moyen de faire beaucoup. Ouais, au prix où ça coûte, je préfère vraiment découvrir d'autres courses. Cool, je te verrai sur la Satellion. Ça dépend si on se cache. Bah, ça dépend si on a une cagoule. Faudra nous chercher vers la fin, quoi. Ouais, enfin, nous chercher vers la fin. On aura une cagoule et on aura des habits de cosmonaute. C'est pour que les gens nous reconnaissent. Et toi, comment as-tu vécu l'aventure? Moi, perso, gros stress. Adeline. Ah bah oui, c'est un euphémisme. C'est clair que bah j'avais pas plus de nouvelles que les gens de la page, alors hein. oui, gros stress. Est-ce que tu t'es mis en position fœtus sous la douche en pleurant? Moi, c'est quelque chose que je fais quand je suis en stress. Ok, je croyais que tout le monde faisait ça. Quand je me sens tu pas bien. Retourner ça. Non. Quoi, en position fœtus? Non, non. Quand je me sens mal, je me mets tout nu en position fœtus sous la douche. Comme je hier laisse... soir. Comme hier soir, et je laisse cousser. Hier soir, j'étais pas bien. Trop pu. Tiens à le dire. Salut, Damsina. La roue. Oui, t'inquiète pas, ça va passer. Oui, bah oui. T'es pas en train de faire tes devoirs. Et les histoires de cours, par contre, c'est pas sur le live. Vos histoires de cul, on n'en a rien à faire. Grave. Est-ce que tu penses... La course à l'échelle. Ah non, c'est pas... C'est une vraie course, je me dis, c'est quoi cette merde? Toujours repousser tes limites, donc aller toujours plus loin, plus dur. Bah là, ça va être difficile, plus loin, plus dur. Et bah, faire la même, mais en moonwalk. En moonwalk. Voilà. Je trouve que c'est une bonne réponse quand tu veux pas te faire chier. Oui, quand voilà. Tu sais, t'as pas compris la question. Tu dis en moonwalk. Voilà. Allons, viens. Coco. C'est toi, Coco? Coco? Bah oui. Mais qui? C'était cet après-midi. Ah, ça vous regarde aussi. Ah putain, Julia, faut qu'on se voit sur une course, mec. Ça va être... Mais pas en position fœtale sous la douche. Je sais pas si je peux en gérer deux d'un coup, par contre. Ouais. C'est compliqué. Hein. Que de la gueule. Que de la gueule. C'est... Par rapport donc, à quelle par question? Par rapport à quoi? Parce au qu'on est perdu, nous. Eh, bonne nuit, Khalid. Bonne nuit, mec. Lion. Eh, mec. Eh, mec. Eh, mec, tu vas coucher, mec. Eh, mec. Par contre, faut savoir que deux ou deux ans, c'est Khalid, il était avec nous sous la tente. Le mec était parti pisser. Il a pas retrouvé la tente, il était perdu sur le camp pendant une demi-heure, voilà. Le mec part pisser, revient une demi-heure plus tard, voilà. C'est chiant quand ça t'arrive. Que de la gueule au moonwalk. Tu vas faire la roue en moonwalk? Non, je vais faire ça le marathon des sables en moonwalk, ah ouais, c'est tout ça. Ouais. Ah ça, je veux bien, moi. Il faudra que je m'entraîne, il faudra qu'on fasse des sorties longues en moonwalk. Je fais le premier checkpoint, quoi. Checkpoint. Checkpoint. Ah, j'avoue que tu t'es concentré, oui. Moi, bravo, Fabien. Eh, hey, pas mal, hey, ça. Eh, comment Fabien? Ça, Fabien. Tu Pardon. Parlais mieux quand t'étais Pardon. Bourré. Oui, j'avoue. Tous les deux ensemble, on serait pas fatigants. Et Iron pire. Man, t'as pas parlé à Iron Man? Iron C'est un Man. Truc que tu ferais, ça, toi? Pas pour l'instant. Pas pour l'instant, les Iron Man. Ensemble, tous les deux, on serait pas fatigants. Non, bah, je... C'est pas écrit pigeon, moi. Suivez, bordel. Bah, c'est un peu compliqué, là, en fait. C'est vrai que, bon, on essaye, hein, on est au taquet, mais... Vas-y, monte tes trucs. Vas-y, un truc. Alors ça, il faut savoir que c'est de la coke distribuée par l'organisation. Non, en fait, c'est des pastilles de sel qu'ils nous donnaient, parce que quand tu cours, tu sues, tu perds du sel, ça, pour éviter la déshydratation. Tu devais gober deux pastilles avec un litre d'eau. Et c'est dégueulasse, tu mets ça dans la bouche, t'as envie de gerber la moitié. Voilà, il m'en reste. Et je les mettrai aussi dans le pack avec l'aspirine venin. Mon slip troué et deux gels et un sac à caca. Je vais juste dire que Ruth Smigasson a le même genre de question que le gamin à l'école. Ah oui, tu sais pas nager. Non, il sait pas nager. On aura 177 pour se marier. Il veut que tu fasses l'ultramarin. Ah, l'ultramarin, on verra. J'aimerais bien, mais pas tout de suite. Tu disais qu'il fallait 2000 calories, mais tu mangeais quoi? J'ai vu des trucs où il faut rajouter de l'eau, mais ça doit pas être bon.
Bah, je mangeais du haché parmentier. En C'était poudre. bon en poudre, mais bon, tu le réhydrates avec de l'eau. Et le haché parmentier, c'est le meilleur truc que j'ai pu manger. Taboulé, pâte au bœuf, pâte bolognaise, couscous, poisson au riz. C'est des plats à tout préparer que j'ai acheté dans un pack sur internet. 200 €. Voilà. C'est C'est vachement vachement bien. bien. Bah Bah écoute, écoute, c'est bien mon gars, mais si tu veux, je vais en mettre aussi dans un pack. Dans le pack, je vais vous faire un vrai pack. Et celui qui monte l'enchère la plus haute gagnera le pack. Alors, dans le pack, il y aura un plat lyophilisé, il y aura les pastilles de sel, il y aura deux gels, un sac à caca et la spivena. Et ouais, il y a des pages où Je vous vais pouvez gagner des vraiment dossards. Chez nous, vous gagnez des sacs à caca. faire un pack. Mais non, Un mais. pack marathon des sables du pauvre. Ouais. T'as pas choisi la. Mais si, j'ai la même marque que toi, MX3 là. Non, je ne ferai pas l'UTMB, je n'ai pas envie de le faire car je crains trop le froid extrême. Je veux bien avoir froid, mais pas trop. Donc ta Saint-Élion, c'est La cool. On va être Saint-Élion, ça bien. va aller. Mais quand il y a de la neige, je vais mal me sentir dans ma peau. Je risque d'avoir des convulsions. Non, c'est quoi ta marque? Quelle est ta marque de plat lyophilisé, Julien Rabier, de La Rochelle, s'il te plaît? Hier, je t'ai dit, il Ok. s'énerve en Et plus tu t'énerves, ça. mec? Ok, si c'est pour gueuler, tu te barres de la conversation, ok? Tu mets pas de point d'exclamation. Voilà. Ok, ça nous stresse. Et Voilà. on Et a quand on est dû. stressé, Ouais, ça nous c'est fait comment ça se des poils s'enroulent et j'ai du mal à respirer. Comme les chats de ma mère. MX3, c'est très bien. Ah bah, MX3, oui, c'est bien, mais. Alors tu vois ça avec Julien Rabier. Parce que Voilà. lui, il aime pas. Donc, voilà. Voilà. On confirme, la Saint-Élion va avoir chaud cette Oui, année. il va faire moins 15 l'année dernière. Ben voilà, C'est pas un souci, mon gars. pas J'ai un peur, corps qui peut résister jusqu'à moins 32. et Ok? demi. Et demi. Ouais, non, te barre pas, mec. Ok? J'ai jamais goûté, j'ai peur de vomir. Si tu veux voir quelque chose que le chameau a vu dans le désert, reste jusqu'au bout. T'as fait la roue dans le désert? J'ai pas fait que ça. Oh merde, je le savais. Zen. Zen. Cool. Oui, mais on Non! dit pas zen avec quatre points Oui, d'exclamation, on dit pas. Oui, on se ça se calme. contredit, ça À peut la pas. rigueur, tu dis zen avec des points d'interrogation. Bah, à la fin de la vidéo, le pack va être énorme. À la fin, Ah ok. oui. Ça Bah faut place tout rembourser seul. l'inscription maintenant. J'ai rendez-vous avec mon lit. Non, mon gars, t'as pas rendez-vous avec ton lit. T'as rendez-vous avec ta main. C'est pour ça que tu vas aller dans ton lit. Reste avec nous. Reste avec Ah. nous. Mais c'est Julien Rabier! Mais oui, mais c'est pour C'est ça que vous êtes Julien en finale Rabier, tous il les me met dans deux. des états pas possibles. Ah, ça suffit les gamins là. Alors la diagonale des fous. Oui, bah Ah, la donne-moi. diagonale des Rendez-vous! fous. La diagonale des Mais fous, ça oui. me tenterait plus que l'UTMB. Il a fait l'hélicoptère dans le désert devant les chamelles. Ah oui, il Et en plus, j'ai envie de te dire quelle hélice. en a pu. Pardon. Tu as aimé mes petits mails? Oui, j'ai aimé tes petits mails, mon gars. Et d'ailleurs. J'ai tous les mails là, j'ai reçu beaucoup de mails et je voulais vraiment tous vous remercier. J'ai 32 pages de mails. Je vous remercie tous du fond du cœur. Pardon. Prochain défi encore. Dis-moi. Genre une course en Dragon Ball et Bah écoute, moi gna je suis chaud, mais mon petit kiwi, c'est pas forcément son kiff le Dragon Ball. C'est pas ton kiff Dragon Ball. C'est plutôt gna. oui, toi. Pardon. Non, zombie reine. Zombie, elle est plutôt zombie. Voilà, moi je suis Voilà. plutôt zombie. Voilà. T'es une Carrément tapette la du jeu. diagonale. Bon, les enfants là, on va se détendre là. Ça commence à bien le faire. Hein. C'est quoi ton Everest? Mon Bah, Everest, c'était ça, bah, non? c'était déjà ça, C'était déjà pas l'Everest. mal. Voilà, c'était pas mal. Et puis quand je suis rentré ici, l'Everest, c'était de monter C'était jusqu'à l'escalier. l'escalier. C'était mon second Everest. Non, mais le prochain truc, c'est vraiment les 100 km en Savoie à la ronde des Éléphants. hélicoptères. Ok. Je dois me lever pour travailler demain. Wow. Oh, genre, le mec travaille. On sait très bien que tu fais semblant, mon gars. C'est clair. Tu pointes pour dire que t'es présent, mais dis pas que tu travailles. Ah. Hélicoptère et selfie. Oui. Oui, quoi, oui. Je sais pas, Ok, je voulais bon, répondre. oui. Oui, en Oui. moonwalk. Et mes Et mes clopes. clopes. C'est vrai? Vous Quoi? voulez ces clopes? Ah Bah oui, t'as c'est pas vu? vrai. Bah si, si, Oui, bah si. tu Bah, devines, je t'as suis pas? désolé, Bah ouais. j'ai plus de thunes, j'ai tout Bah oui. claqué. Bisous, bisous les loulous. Bonne Bonne nuit. nuit! Bonne nuit. Bah ouais, genre. Non, Bon. mais il y a une contre-soirée, laisse. Yeah, ouais, j'ai hâte de voir le reste. Oui, Alors, je voulais vous laisse. prévenir de quelque chose. Je suis revenu avec 3 heures de vidéo GoPro.
Donc, je vais faire une série. Une vraie série. Genre, toutes les semaines, je vais balancer un épisode qui va durer entre 10 et 15 minutes. Il va y en avoir, je pense, une petite, peut-être un peu moins de 10, tous les dimanches. Je pense que ça va se passer le dimanche. Ça va être trop bien. Tous les dimanches, je vais poster un Salut épisode. Grégory! Et quand je coupe cette vidéo, je vais poster Le teaser. le générique. Parce que j'ai fait un générique, le mec s'y croit quoi. Grave. J'ai fait un générique. Déjà. J'ai fait un générique. Ah, Je tu es. poste quand la vidéo est finie là, le live est fini, je poste mon Le générique. générique! Voilà, c'était la petite surprise. Et les vidéos, c'est quoi, une par semaine? Après, à partir de dimanche prochain, une vidéo toutes les semaines, une vidéo de 10-15 minutes. As-tu vu des Arabes dans le Ouais, désert? alors figure-toi que j'ai vu des Deux. Arabes, deux et demi. À gauche. À gauche, j'ai pas mal d'Arabes qui se situaient sur le trottoir gauche Il y a des pour trottoirs dans regarder. le Je désert. me suis isolé, mais t'isole pas, mec, parce que si tu t'isoles, Assume-nous! tu vas tomber dans S'il la te plaît, dépression assume-nous! Pauline Fraval. Voilà. C'est de la fravalité tout ça, faut que tu te calmes. Fravalité. Et t'as les plus beaux plis de doigts de Reims. Un marathon de prévu prochainement. Bah écoute, normalement je devais faire la route du Louvre, mais dans l'état que j'étais dans le désert, j'ai envoyé spécialement un mail à mon kiwi pour lui dire. Dika, c'est Je bien. ferai pas le 42, j'ai mal aux jambes, je t'accompagnerai au 10. Voilà. Et puis bah du coup ce sera pas Lille. Non, du coup ce sera pas Lille, on fera sûrement la course du Grand Paris. Après ce sera ouais c'est les Après c'est les passerelles passerelles, hein. après 6000D, mais déjà elle a Argelès, Dimanche dimanche, 36 kilomètre. 2000 Et ouais, des plus tic-tac. tac voilà t'as pas fini de monter tes Bah mon gars, vidéos j'ai toi 3 heures de vidéo, gros. ben J'ai 3 heures de oui voilà vidéo. on a des calories à Putain, rattraper on c'est peut bon pas ça, tout la série faire Dos Santos. C'est la c'est série Dos ça Santos. Lolaire Comme Jazz l'émission. Lolaire, Oui, lolé, ou c'est le verbe lol? je sais pas. Ok, autant Je veux bébé. dire oui. Stéphane Gasque, j'ai quelque chose à te dire. Ah merde. Tu m'as envoyé un message, un mail, pour me dire que ça te manquait de dire que je te baise. Oui, c'est ce qu'il m'a dit. Oui, j'ai lu. Ouais. Du coup, Tu t'es bien gardé de me le dire. Stéphane, je te baise. Je suis désolé, il fallait que je te le dise, Voilà. mec. Jazz l'émission. Ok, Pauline. génial l'idée de la vidéo, merci. Trop le Ça tombe fun. bien. Trop Merci. hâte de voir les vidéos, ça m'intrigue. Et je suis un personnage intrigant, autant intrigant que inquiétant. Surtout inquiétant. Pas trop mal aux jambes. Quel temps as-tu eu la nuit, le jour? Alors, les jambes, beaucoup de courbatures. L'après-midi, il faisait très très chaud. Le matin, il faisait froid. Et la nuit, c'était invivable. Il gelait. C'était le vent à fond, les gamelles, tempête de sable et compagnie. Et genre maximum, minimum température, ça donnait quoi? L'après-midi, entre 35 et 40. Et la nuit, je pense, on frôlait les températures négatives. Faut abonnement Netflix pour les vidéos en série. Non, nous c'est le Netflix du Non, pauvre, nous c'est ouais, nous, c'est Facebook, YouTube. quoi. C'est Voilà. YouTube. On est des mecs cool. Top ces vidéos, hâte. Déjà, quand on coupe le live, on balance direct le générique. Il est déjà prêt, Hublot AD, c'est chargé sur Attends, répète. Hublot AD. Voilà, je voulais juste qu'il répète. Upload. C'est le cadeau. Pardon. Je vais te tarter. Ah oui, je sais. Bonne chance pour ta course. Merci. Merci, Voilà. Je vais merci. essayer de vous ramener une belle vidéo parce que Oui. ça va être joli quand même. C'est pas le marathon des sables, Oui, mais ce mais sera ça quand sera même beau. une belle vidéo. C'est très Ouais. important de Ouais, c'est vrai. continuer dans la direction Voilà, gauche. gauche. C'est beaucoup la Ouais, gauche. je porte à gauche. Ouais, J'avoue, c'est comme tu penches. ça. T'es bancal de la gauche. C'est ça. La course du Grand Paris, c'est 10K. Oui, 10K le 13 mai. Ouais, c'est un dimanche. Avec arrivée dans le Stade de France. Hey! Voilà, c'était ma minute publicité. Pardon. Vous croisez un jour sur un marathon. Bah, si tu nous croises, c'est que t'es pas dans le bon sens. Mais si tu nous crois, c'est que t'es pas là-bas. Si tu nous crois, c'est que t'es en train de Ah! courir dans le sens inverse. Voilà. Mais sinon, tu nous cherches à McDo. Voilà. Stéphane, je t'aime. Je voulais te le dire. Si j'ai fait le marathon des sables, c'est en partie pour toi aussi. C'est pour ta maladie que j'ai fait ça, Oh mec. merde. C'est pour toi. Un Je jour, veux que tu tu t'en cours en sortes. mocassin gland. Il y a trop de mots dans cette phrase qui vont Non, pas. c'est parce qu'un jour, j'ai voulu aller en boîte quand j'avais 17 ou 18 ans, je sais plus, et j'avais mis Des mocassins à des gland? mocassins à gland. Pourquoi t'avais des mocassins C'était pas forcément un gland, mais l'aspect ressemblait fortement Ah, à on n'en un gland. peut plus. Voilà. Voilà, on passe à la Il suivante. vaut mieux. Tu Tu assures en tout assures en tout cas. cas, mais Merci bravo. beaucoup, Oui, c'est Grégory. vrai ça.
Et rendez-vous aux passerelles alors. Hé, mec 40 40 Voilà, je me rappelle de tous les commentaires, faites gaffe. Commentaires, gaffe. Ta gueule. Oui. C'est bien. Ok. Salut Mélanie. Oh bah, t'es pas couché à cette heure-ci, dis donc. Bah alors, c'était quoi? C'était le plus dur. Le plus dur, c'était quoi? C'était l'étape de 86 km. Non, c'était même pas ça le plus dur. C'était le lendemain. Mmh. Quand t'as fait 86 km, t'as pas super envie de... Et puis de retourner. Et le plus dur, c'est de se relever tous les matins pour y retourner. C'est vraiment très dur mentalement, ça atteint le psychique. Ma bite. qui marque ma bite? Qu'est-ce qui était le plus dur? Bah voilà. Faut faire des liens. Oui. Ah, j'hésite, ça me tente bien la grande course du Grand Paris et avec vous, pourquoi pas. Ah, mais par contre, si tu fais ça avec nous, tu risques d'avoir des séquelles. Risque de t'agresser verbalement, d'être assez agressif. Pire que sur Insta. De prendre des photos de tes plis de doigts. Merde. Tiens juste en compte que du coup, c'est pas une prépa classique. Il y a toute une psychologie qui va suivre derrière et il risque d'y avoir des séquelles. Il y a une cellule de crise qui va être mise en place pour ça. À chaque course. Pendant ta semaine, as-tu pensé à abandonner? Qu'est-ce qui t'a fait tenir toute la semaine? Abandonner, j'étais parfois peut-être une fois où j'étais pas loin, mais je me suis dit c'est pas possible. J'étais vraiment au bout du bout, en train de chialer comme une merde. J'étais au bout. Qu'est-ce qui m'a fait tenir? C'est l'association, tous les gens qui m'ont poussé, qui ont participé avec moi pour que je puisse aller là-haut. Ma fille, mes parents, mon kiwi. Et ouais, tout ça réuni, j'ai pensé, j'avais pas le droit d'abandonner, j'avais la pression, mec. T'énerves pas. Je m'énerve pas, mais je veux être ferme pour que ce soit bien clair. Oui, bah, pas trop. Calme. Juste venu pour te féliciter, vous dire que vous me faites bien rire tous les deux. Et yes, tes passerelles, cool. Pas de soucis, voilà. Mec. On se fait bien rire aussi. C'est cadeau. On bosse l'un pour l'autre. Elle me fait rire, je la fais rire. Mais c'est gratos, quoi. C'est Julien Rabier qui avait marqué ma bite, je voulais dire ça. Bah, est-ce que tu te posais vraiment la question? Oui, je me posais la question et voilà, je suis pas déçu. T'es vraiment un personnage entier. Comme le lait. Pardon. Ça. Putain. J'ai trouvé ça marrant. J'ai soif, par contre, j'ai trop parlé. Bah, salut, écoute, bonne soirée. Steak frites. Pourquoi steak frites? Steak frites, tu me fais des traductions parce que je suis perdue là. Sans regarder, je sais que c'est Farid qui a mis ça. Oui. Parce qu'une fois, quand j'avais 17 ans, il est venu sonner chez moi à minuit pour qu'on aille manger un steak frites et je suis descendu. Ah. Et voilà, le mec, ça l'a traumatisé, il en parlera à chaque fois qu'il me verra. Merci. J'ai loupé le début. Pour Margot. Il n'y a pas de souci, écoute, c'est tout à mon honneur. Non, alors. Il n'y a pas de souci, c'est tout à mon honneur. J'ai voulu représenter l'association pour faire le bien autour de moi. Par contre, on rigole trop fort, les voisins vont m'intoquer. C'est clair. Faut qu'on rigole. On rigole en mute. Non, mais là, on dirait que je suis crevé par contre. C'est déjà fait arriver. Canard, va ta gueule. Mais non, je suis pas un canard, mais je l'aime. Non, mais je l'aime, j'ai il pas est jaloux, le con. Non, mais il est jaloux des chameaux, il est jaloux de ma gueule. Attendez, je te le prête. Laisse-moi parler. Non, je suis cet être humain qui a sa part. De féminité en soi, tu vois. Et moi, s'il y a besoin de donner de l'amour à une personne qui le mérite, je le donnerai. Question suivante. Chloé, tu t'endors. Non, ça dort pas. Non, mais je sors du boulot, alors. Ouais. Voilà. Voilà. Et puis hier, elle a bien bu, Ophi. On va juste dire que je sors du boulot. D'accord. C'est la version officielle. D'accord, c'est la version officielle, mais il n'y a pas de bubation. Jamais. Aïe. Voilà, plus personne parle. C'est fini. Comment on les a mouchés, mec. Change de tête, tu fais peur aux gens. Mais c'est parce que j'ai roté, mais doucement. Pardon. Maintenant que tu as déjà fait. Ok, je vais dire la question. Oui, j'avais envie de mordre un truc. Merde. Non, je ne le referai pas, Farid. Si tu voulais développer, bah, ce sera dans une prochaine. J'ai eu beaucoup de courriers de tes fans le soir. Oui, j'ai eu beaucoup de courriers. J'ai eu 32 pages. Et c'est un truc de malade. Et d'ailleurs, je vous remercie parce que franchement, le soir avant la dernière étape, les 42 km, c'est vraiment les messages qui m'ont boosté. Je ne savais pas comment j'allais pouvoir le faire. J'avais plus de force, j'ai limite plus envie. Et j'ai lu les messages. J'ai regardé les messages comme ça. Reconstitution. Tu veux que je mette une musique triste? Non, c'est bon. Okay. Attention, reconstitution des faits. Voilà tes messages. Ok. Oh putain.
Oh putain, je peux pas laisser tomber là. On craint au bout, ça fait, ah, c'est trop beau. Voilà. Donc nous, les messages m'ont donné beaucoup de force. Ça m'a fait du bien. Merci à tous pour cet élan de générosité envers ma personne. Merci beaucoup. Merci. J'attends, plus personne parle. Bah monte tes machins là. Machin. Alors ceci. Ma route du Louvre en touriste, ça pourrait me faire. Non. Bah non. Non, on vient pas au Louvre. Ok. C'est pas personnel, c'est pas contre toi, mais on ne va pas à la route du Louvre. À quand Koh-Lanta? Bah écoute, Koh-Lanta, c'est ça le vendredi soir en général. C'est ouais, c'est vendredi soir Koh-Lanta, voilà. Pardon. Du coup, je montre cet objet électronique avec une forme cylindrique. Du coup, c'est la chose qui me permettait de recharger mes appareils. Alors, quel type d'appareil vous demandez-vous? Alors, je rechargeais ma montre à l'aide de cette batterie de secours. Ça m'a permis de la recharger 3 fois. J'en avais 3 des trucs comme ça. Des trucs, c'est quoi? C'est des batteries de secours. J'avais 3 batteries de secours. J'en ai pris 3, mais une suffisait. Attends, redis encore parce que je crois qu'ils n'ont pas bien compris. T'en avais combien? 3. Ah, ok. Mais une suffisait. Mince. Du coup, j'en ai pris 2 en plus. Je les ai pas achetées parce que ça coûte 9,90€ à Decathlon. Ok? Avec ça, je rechargeais mon téléphone. Avec mon téléphone, je prenais des photos. Et avec la GoPro, je filmais. J'avais 2 appareils différents pour revenir avec des images assez dingues, assez loufoques. Reviens, s'il te plaît. Bah oui, mais j'anticipe la prochaine question. Action. Ok, action, d'accord. Elle est où la médaille? La médaille est ici. Bah, voilà. Voilà. Et c'est pas la médaille du marathon d'Annecy? Non, c'est Annecy la moche. C'est Annecy la moche. C'est pas Nantes? Ils sont restés. Non, Nantes, elle est belle. Ils sont restés en Chine. Oui, du coup, c'est... voilà, c'est la médaille. La médaille est très belle. Juste que je suis quand même, je suis fier de cette médaille, je suis heureux, mais je suis mécontent. Vu le prix de l'inscription et tout ce que ça engendre, ils auraient quand même pu mettre le numéro de l'édition avec la date sur la médaille. Des fois qu'ils l'oublient, hein. Ça, je ne suis pas d'accord. C'est les détails qui ont pour moi leur importance. Et je ne suis pas d'accord, monsieur. Où allons-nous? Hein? Où allons-nous? Et le problème du pétrole? Hein? Où? Question suivante. Sophie, tu vas nous faire une soirée projection photo-film. Sophie. Bah écoute, il va falloir beaucoup de temps. Car il y a beaucoup de vidéos. Il y a beaucoup de films. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y aura déjà le générique. Il y a le générique que je vais mettre sur YouTube, qui est déjà sur YouTube, mais et vous ne pouvez pas le voir. Il envoie du lourd, ça dure 1 minute 30, c'est court, ok, mais à partir de dimanche prochain, je mets en place la série de Johan Dos Santos au Marathon des Sables. Une vraie série de 10 à 15 minutes chaque semaine. Voilà, c'est la vérité. T'as des ampoules ou pas? Oui, j'en ai une qui est en train d'éclairer le salon en ce moment. C'est grâce à ça que vous pouvez me voir. Donc j'ai une ampoule dans le salon, j'en ai une autre dans la chambre. C'est voilà. Tout. C'est parce tout. Parce que c'est cher, quand même, les impôts. Et ça fait mal. Qu'est-ce que je mets? Je voulais souhaiter une bonne nuit à Julien Rabier, qui a décidé d'aller dormir. Il va aller rêver de chameau. Comment tu faisais pour faire caca? J'utilisais mon anus. Je poussais très fort. Et des veines... Mais non, mais ta gueule, monte ton sac à caca. Les gens, ils ont raté le début. Les gens qui ont raté le début, vous êtes pas cool, les mecs, parce que ça, c'est un sac à caca. C'est les sacs qu'on nous passait à chaque fois qu'on franchissait l'arrivée. Voilà. C'est ma mère qui demande. Non, mais te justifie pas, c'est une question tout à fait pertinente. Voilà. Voilà. C'est le sac à caca. Est-ce que tu pourras le jeter à la fin de cette vidéo? Parce que j'ai pas vraiment envie de vivre avec un sac à caca. Il n'y a pas de caca dedans. À la fin de cette vidéo, je répète, je mettrai en vente un pack, je le vendrai à la personne qui mettra le plus. Dans ce pack, il y aura l'aspirine venin, le sac à caca, 2 gels. Et son slip. Mon slip, oui. Et la boussole. Oui, c'est un live. La boussole qui est neuve, qui n'a pas servi. Je ne l'ai pas regardée et on ne la regarde pas encore, ça veut dire qu'elle n'est pas utilisée. Je veux juste répondre à Antonin, ce qui dit on dirait que c'est tourné avant le MDS. Voilà, ma réponse. Voilà, et voilà mon gars. Et voilà. Non. Et voilà. Ah, ah bah voilà mon gars. Ah bah t'es passé pour un con. Et bah voilà. 8 sur live, mec. Je sais qu'à caca finisher. Julien va te coucher. Julien va coucher. Ça suffit, Julien. Ok, il est l'heure. Demain, tu vas pas te lever, tu vas encore te faire engueuler. Va coucher, mec. Un suppôt et au lit. Non, tu blagues pas, mec. Non, tu blagues pas. Pour remontrer. Voilà. Ouais, c'est pour remontrer la médaille, ok? Parce qu'on en aura qu'une des comme ça. Enfin, sur deux. Enfin, sur deux, voilà. Oui, on a compris, par contre. Oui, oui, je vais dire.
Oui, oui, écoute. 5 euros. Il y a déjà 5 euros pour le pack. Merci, Kiwi. Eh ben, de rien. Eh ? De quoi ? C'est pour la médaille, c'est gratuit. Voilà. C'est gratuit. Je fais option télé-shopping également. À mes heures perdues. Oui, ça ne marche pas. Oui, et c'est parce que ça ne marche pas. Très bien. Voilà. C'est une bonne raison. 5 euros et 1 centime. Et va coucher, mec. Ça suffit. Julien Rabier, calme-toi. Bon. Je mets 1200. 1200. Ça veut dire quoi exactement? Mais 12 centimes. Avec le pack, je te conseille de remplir le sac à caca. Il reste peut-être des traces de sable. Ça devient bizarre. Et ta barbe, comment tu as fait? Et ta barbe, tu as fait comment? Mais l'a emmené. Je l'ai emmené, je l'ai pris avec moi. Je l'ai laissé sur mon visage. Et du coup, il a ramené son visage. Et quand je marchais, en fait, je l'ai laissé sur mon visage. Voilà, c'est comment j'ai fait avec ma barbe. Et comment se passait? Ben, ça se passait, en fait. Sans du suspense. Ah, les chaussures cousues. Les ah, chaussures oui cousues ne se sont pas décousues. Ça s'est très bien passé au niveau des guêtres. Ça s'est très bien passé, ça ne s'est pas décousu. C'est le plus important. Ouais, j'ai rien d'autre à dire. Et ça t'a bien protégé du ça sable. Ça m'a bien protégé du sable. Tu t'es pas lavé pendant une semaine? Si, je me suis lavé. J'ai... Du genou à la cheville. Du voilà. Genou à la cheville. Non, je me suis aussi lavé le kiki parfois. Le genre de chameau. Je me suis lavé la caquette plusieurs fois durant mon séjour. Et donc j'avais des lingettes intimes pour me laver la caquette. Alors voilà. Et en fait, à chaque étape, il nous passait 4 bouteilles d'eau de 1,5 litre et l'eau servait pour se laver. Ben, pour se laver les dents, comment tu fais toi pour te laver les dents? Tu prends du dentifrice. T'as pas rangé ta chambre. J'ai pas rangé ma chambre. Ouais. Tu prends du dentifrice et une brosse à dents qui est pas plus grande que ça. Voilà. Tu te laves les dents quoi, avec une brosse à dents. Non, j'ai pas regretté de ne pas avoir pris de bâton. Ça pourrait être Bastien qui poserait cette question. Ouais. Mais non. Et non, j'ai pas pris de bâton et j'avais vraiment pas envie de me faire chier avec des bâtons. Et je ne l'ai pas regretté. Les cuisses sont un petit peu chauffées, mais ils sont refroidis après, donc ça va. Ah, tu fais des bestioles. Alors oui. J'ai vu 5 bestioles. Ils étaient dans ma tente avec moi. C'était mes colocataires. C'était des drôles de bestioles. Surtout Jean-Christophe. Salgues. Salgues. Jean-Christophe Salgues. Une bestiole très rare. Un animal en voie de disparition. Mais très dangereux. Car il est venimeux. Et en vrai, t'as vu quoi? Des chameaux. Des lézards. Des lézards. J'ai pas vu de serpent, j'ai pas vu de scorpion. Et je n'ai pas vu de... L'autre. De ferme ta gueule le chaud. Ferme ta gueule le chaud. Ok. Voilà. Et le chameau... Non, les chameaux n'ont pas la capacité de pouvoir dialoguer avec des humains, en fait. Je sais pas si... Tu le savais. Oh merde. Suite au... Antonin, t'as quand même vachement le sens du suspense, je trouve. Non, je n'ai pas vu de fille. Bah si. Bah non. Bah il y en a qui courent le même death quand même. Ah oui, des filles qui couraient. Il y avait beaucoup de femmes qui couraient le marathon des sables. Suite au manque de sommeil, des pulsions primates sont-elles survenues? Il n'y a pas besoin du manque de sommeil. J'ai pas besoin du manque de sommeil, j'ai des pulsions primates régulièrement. Ça m'arrive à peu près tous les quarts d'heure. Donc là, ça va pas tarder. C'est prochaine bien. Étape après le marathon des sables, bah ça a été la douche. Ça a été la prochaine étape. Plusieurs fois. Ouais. As-tu eu des mirages? Alors, t'as eu des alus? Oui, alors j'ai eu des alus. Il y avait un papier d'alu. Non. Oui, j'ai eu une hallucination. Pendant un moment, je marchais. Et en fait, j'avais l'impression que tous les gens qui étaient devant moi venaient vers moi. Alors qu'ils s'éloignaient. Oui, c'est complètement parce qu'il con. Ils couraient, du coup. Ouais, puisqu'ils couraient. Mais j'avais l'impression qu'ils couraient dans ma direction. Du coup, j'étais un peu déstabilisé. Et je me suis dit, qu'est-ce qui m'arrive? Oh mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Voilà. C'était la longue étape aussi. C'était la longue. Non, c'était non. Pas la longue étape, c'était la troisième étape de 31 km. Pouf, je disparais. Tchou les copains. Ok. Voilà. Au revoir à Julien. Paix à son âme. Plus personne parle, tu me regardes, je sais pas quoi dire. Bah oui, mais c'est fini. Voilà. Quand c'est fini, c'est fini.
Si personne n'a plus rien à dire, je vais couper cette vidéo. Ok? Ok, et balancer le générique. Oui, je vais mettre le... As-tu chialé? Oui, j'ai chialé. Voilà. C'était une drôle manière de t'exprimer. Putain, c'est pas parce Mais que t'es plus là, tu parles encore! qu'il faut la fermer, bordel. Ah. Après les... Quoi après les 86? Audrey, je parle correctement, s'il te plaît. Fais des phrases correctes. On ne J'ai un comprend rien. complément. Non, j'ai pas dormi. J'ai pas dormi, parce que quand j'ai fini l'étape de 86 km, il était 6h30 du matin, le soleil était en train de se lever, il commençait à faire chaud et j'avais pas du tout la tête à dormir. J'étais tout excité, trop content d'avoir fini cette étape. Et voilà, Envie. j'ai pas dormi, envie. Envie. Bon bah voilà, envoie le générique, bordel, comme ça je dormirai bien. Mais je vais arriver. Bah tu vas repartir. Parce que nous aussi on va partir. Voilà, on va clôturer. Mais on va enregistrer la vidéo. On va enregistrer la vidéo et on va la mettre sur YouTube. Pour que vous puissiez la revoir si jamais vous avez envie de vous remémorer ce moment intime qu'on a partagé tous ensemble en famille. Ça, c'est vraiment très bizarre. Rien à voir, le marathon, t'es un ancien de Croix-Rouge. Oui, je suis un ancien Croix-Rouge. Voilà. Et je suis un nouveau de Maison-Blanche. Peut-on avoir un retour sur l'organisation est énorme. Alors. Franchement, je sais pas quoi dire, parce qu'il n'y a rien à dire. Tout est top, tout le monde est là aux petits soins, tout le monde vient de voir dans l'attente si tout va bien. Il y a même l'armée autour du camp qui est là pour surveiller. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire au niveau de Des yeux l'organisation. de panda. Oui, bah oui, Bah bah oui, pardon, mais par mais contre, c'est ma gueule après le c'est boulot. mon panda. Voilà, je me suis arrangée pour quitter tôt, pour être à l'heure pour Et le ça, live. est-ce que On c'est peut pas tout intrépide? faire. Est-ce que c'est intrépide? Voilà, c'est la photo chauve, ça. Ouais. Enfin, tu vas Non, fermer ta je sais gueule et pas. envoie la vidéo. Mais c'est ce qui va se passer. C'est comme les 10 km Nike. Je sais Ouais. pas, je comprends plus ce que dit Antonin, Ouais, c'est c'est à peu près pareil. Voilà. Donc, nous allons nous quitter et je vais mettre le générique sur la page Les Intrépides Runners. Dans 5 minutes, vous pourrez voir ce générique. Et ensuite, un épisode par semaine. Ouais, à partir de dimanche prochain, je balance un épisode par semaine. Voilà. Voilà, on n'a plus rien à dire. Voilà. Il y a eu un blanc là, on aurait dû couper avant. Oui, C'est coupe, déjà trop long. coupe. C'est qui ces deux bouffons encore là? Ah, c'est nous, Bah, mec. si tu nous suis sur la page, C'est il y a un nous, moment, mec. t'es censé savoir qui on est quand Voilà. même. Il n'y a que nous sur la Voilà, il n'y a page. que nous. C'est nous et nous, en fait. Voilà. Voilà. Et ouais, Dédé. Ok, Voilà. ouais, c'est le moment de couper. C'est le moment de couper. Allez. Allez, salut! Allez, au revoir, les amis. Ah! Bonne soirée. Ah!